Il y a des super modes Star Wars pour cet univers aussi. Il est confus et effrayé. M'arrange pas des masses. Un peu déçu, c'est pas celui-là. Hésite pas à nous filer des éléments, peut-être qu'on pourra retrouver. Il y a de bonnes chances que l'un d'entre nous ait joué au jeu dont tu parles. Qui c'est qui est mort? Oh non! Oh. Oh non, la mise à jour a fait planter le jeu! Oh là là! Mais tu vois, Jeannot, on parlait de fond d'écran. Le mien est très visible et puis il y a des icônes partout. Il est petit. C'est pas la taille qui compte. Non mais toi ça compte pas. Comment ça compte pas? Puis il est fixe. Ouais, j'aime pas les. Enfin, si, ça peut être vachement cool, un écran qui bouge. Mais je sais pas, c'est de la perte de ressources pour moi. Ah merde. Zut. Je pensais que ça a été sauvegardé. Voilà. My bad. C'est un fond d'écran tout noir avec un petit en ratio de la taille de... Ouais, voilà, c'est un... Non, mais oui, effectivement, c'est juste mon logo. Petit en ratio, ouais. Effectivement. J'aime pas choisir, du coup, j'en ai dans les 200... Dans les 160... Dans les 170, donc c'est un diapo qui passe sur toi? Ou un... Tu sais, les animations que tu peux avoir maintenant sur les fonds d'écran? Plus ou moins un peu comme X, mais t'as un vaisseau amiral que tu peux custo sur les canons et tout. On va reprendre ça. Tu vas là-bas. Préparez-vous à la guerre. Oui, on peut s'y préparer, effectivement. Oh.
On a perdu nos manticores. Tu vas checker un vieux de la vieille. Oh, c'est pas beau de parler de tes parents comme ça. Non, t'as eu la chance t'as eu la chance quand t'étais jeune d'avoir des parents qui jouent un peu. Enfin, un père en tout cas qui joue un peu. J'avais un père beaucoup plus classique. Les jeux vidéo, c'était pas ouf. Mon ticor a déjà été remplacé. Armurerie achetée. Et ici, on a fait le tour de l'île. Ok. Donc, on a identifié trois villes là-dessus. Ah, et on peut passer là. Super. Et il y a encore des neutres ici? Centaure, là-dedans. Quant au... On va prendre deux chamans. Voilà. Et là, j'en ai pendant Gnoll. Des gens connaissent Artemis Spaceship. Artemis Spaceship. Bridge Simulator? Je connaissais pas du tout. Alors, nous sommes attaqués par Misty la voleuse. Ok, ça, c'est un perso qui respire les années 90. Mais si les X t'intéressent, fonce, hein. C'est super bon comme jeu. Et je crois, alors X3 a une très grosse communauté de modding, enfin, avait une très grosse communauté. X4 devient très très bon et ça se développe pas mal. Évite juste. Il y a un jeu de la série à éviter. X-Rebirth. Je suis plus Jevania. De base, ils sont très bons aussi. Il n'y a pas de souci. Le X4 de base est très très correct. Manquait un peu de contenu au début avec les différents contenus ajoutés, notamment par le contenu gratuit fourni avec les DLC. C'est devenu très très bon. Donc ouais, tu peux y aller les yeux fermés. Hein. X4, tu pilotes ton vaisseau, tu fais tes flottes, tu fais tes stations, enfin tu peux faire ton mini-empire. Bon, après, il y a des soldes qui vont bientôt commencer. Donc attends un petit peu.
Ok, Misty est relativement costaud. Cool. Hop, ça va pas foutre la merde du tout, ça. On a pris le contrôle de leur unité. Ok, c'est bon. Ah, dommage, on l'a pas eu. STX, le début est déroutant. Ouais, t'es un peu lâché par contre, effectivement. Ils sont déjà en promo sur GOG, Acta? Ah, c'est trop bien. Ouais, c'est top dur, hein. Il y en a. Je pense pas qu'on aura l'occasion la semaine prochaine, mais je revisiterai une ancienne sauvegarde où j'ai commencé dans un. Je crois que c'est un chasseur TIE slash SF, donc ceux de la nouvelle trilogie. Qui est un petit peu mieux, bien sûr, que les anciens. Et je suis en train de construire une station, j'ai quelques vaisseaux de minage qui font leur truc, des vaisseaux de transport, tout le bordel. C'est vraiment cool. Et au moins ils ont l'air d'assurer à ce niveau-là. On va essayer d'enlever le plus de vie possible au héros. Qui a l'air de. Ça a l'air de rien lui faire du tout. Oui. Et on ne peut pas l'attaquer. Merveilleux. On a plus de munitions? Oh, wow, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé ça.
Sérieux? Tant pis. L'efficacité de notre nécromant laisse à désirer. Genre, il est mort. Ah, c'était Homeworld Cataclysme dont tu parlais? Ah, mais c'est pas du tout la même chose! Enfin! ouais, Cataclysme n'a pas été remasterisé, je crois. Je crois que c'est le seul qui n'a pas été remasterisé d'ailleurs. Ouais, ça, c'est le standalone si on veut. Ouais, c'est un jeu stratégique du genre. Attaquer. Là, t'es sur émergence. Je connaissais pas par contre émergence. Il y a combien de contenu à mort qui était fait finalement? Ah, ok, pardon. Oui, du coup, ok, on est bien sur le même. Non, le émergence ou cataclysme ne fait pas partie de du remaster. Je sais plus pourquoi, je crois que c'est une question de droit ou de. Ou de fichier source. Il y a Mandalore qui en parlait dans une de ses vidéos sur Homeworld, justement. Selon GOG, merci Blizzard, Cataclysme est maintenant une marque déposée et enregistrée chez Blizzard. Ah, super! Par contre, ça semblait super cool comme jeu. C'est vraiment dommage qu'ils aient pas pu le remasteriser. Tant pis, on se contentera du 3 en juin. Tellement hâte. On le commencera peut-être pas le premier jour. Faudra que j'aille récupérer ma copie chez mon père. Homeworld Remaster à 3 € sur GOG. Ouais, on en parlait en début de stream. Les Homeworld et Désert de Karak aussi qui est en promo. Ils sont tous très très chouettes.
et laisser le bug se faire réparer. Franchement, je pense que ça ira. Pour le coup, c'est vraiment juste qu'il faut que j'aille chercher physiquement ma copie chez mes parents. J'ai préféré éviter de me faire livrer l'édition collector ici. Ce qui sera la première édition collector depuis des années. J'aimerais obtenir mana. Ok, alors. T'as combien de mana? T'as 0 de mana, sérieusement? Ah oui. Par contre, émergence, hop, ajouter au panier. Et puis on le fera avant la sortie de du 3. Même si, bon, c'est les anciens Homeworld, donc c'est un peu compliqué à jouer avec. Le remaster a vraiment aidé les Homeworld. Mais foncez, hein, c'est une super licence. Ah mais je comptais faire ce que je fais à chaque fois, lui piquer sa mana et lui filer de l'argent à la place. Après elle est libre de la transmuter. Si elle veut vraiment en avoir. Alors, 3007. Voilà. Par l'affaire. Donc on lui file 4666 PO pour une valeur de 3732. En échange du sort remède de la nature. Et ça me surprend pas, Necro. Sur les anciens, la caméra était beaucoup plus fixe sur les vaisseaux que sur le remaster. Et surtout si t'as eu accès qu'à la démo, ouais. Je suis pas surpris. Ta 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 ta. On a quand même perdu des prêtres, c'est nul. Un marchand arrive. Force de géant. Vas-y, fais péter. Presque. Merci beaucoup pour le soutien. Grand scarabée, on pourrait s'équiper de grand scarabée, ouais. Je me suis pas fait avoir cette fois, je level. Bougez pas, ça toque à ma porte, j'heureux.
Ça va quand même pas être méga pratique si on doit envahir toutes ces îles. Je vais voir si on y... Il est plus probable qu'on mette tout en recherche et qu'on se contente de faire le sort de fin de partie. Dit-il en voulant des wargames sur le Pacifique. C'est pas pareil. C'est pas pareil parce que c'est pas pareil. Très juste, Gijano. Merci beaucoup. Non, mais je sais déjà que ça va être un enfer, cet aspect-là, dans le Pacifique. Et on a parlé un peu de France 40 tout à l'heure, mais pareil, j'ai jeté un œil à la map de Japon 45 de Panzer Campaign. C'est un beau bordel aussi. Ça va être sympa. Ah, ils ont pris Dogmeria, pardon. Sacha la guérisseuse. Da. Ouais, j'ai pris ces deux-là. J'ai pris ces deux-là et la démo de Panzer Battle. L'eau est gérée. L'eau est gérée, ouais. Ouais, le premier tour, de toute façon, c'est un débarquement massif américain. Les spectres. Trop cool. Immunité froide, arme, poison, illusion, immunité de mort. Non corporel, vol de vie. Ouais. J'ai encore mes CD et je sais que t'as eu du mal à retrouver le jeu. Je suis content qu'on ait réussi à identifier ton jeu. Surtout pour un Homeworld. C'est Big aussi qui est très fan de cette licence. Sanctuaire, c'est bon. Golem, c'est bon. Un CD avec Exclusive Cataclysme. On va monter là et puis on va faire une diagonale après. Hop. Alors on n'est toujours pas aux unités d'élite. Donc je suppose que c'était l'homme ou le cataclysme. Probablement. Je veux dire, si tu dois. Si tu dois les faire, il faut que tu fasses homme ou le 1, cataclysme, homme ou le 2. Ou si tu veux faire l'ordre chronologique, tu fais Désert de Karak, Homeworld 1, Cataclysme, Homeworld 2. Ceci dit, tu vas avoir un vrai choc de mécanisme entre le 1 et son extension, du coup.
Hop, esprit magique invoqué. Alors, on peut l'envoyer ici. Ah, ça, on l'a pris. Là-bas, on les a. Y a pas un autre point? Y a sûrement quelque chose là-bas. Combien on en aurait actuellement pour... Ah oui, non, on l'a même pas, le sort principal. On va invoquer un champion, tiens. Chevalier de la mort. Ha! Trop cool. On en aurait pour 295 tours. C'est peut-être un peu excessif. Et 37 000 points pour l'invoquer. Qu'est-ce qu'on fait, chat? Est-ce qu'on part sur une victoire militaire ou sur une victoire magique? On peut faire les deux? Non. Sinon, j'irai plutôt magique. Ok. Donc ça va être ça. Donc on en aurait au mieux 174 tours. Ça va s'arranger. Déjà parce qu'entre deux, on va prendre possession de tous les nœuds magiques. Ici et surtout sur ce plan d'existence. À faire pied les voisins. Au moins, ouais. On nous propose 3 hallebardiers draconiens. Oui, pourquoi pas? Rage of Mage 2, Necromancer, si jamais vous n'avez pas peur des vieux jeux. On parle de vieux à quel point? Parce que les vieux jeux me font pas trop peur, ils font peur à mon OS par contre. 99? Ah, ça va. C'est plus qu'une antiquité. Ah, tu vas pas recommencer, hein. Oula. Il est sur GOG. Tu peux envoyer un lien, s'il te plaît. Ah merde, on va virer un scarabée. On va le mettre chez lui. C'est moins moche que je le pensais. Une mine à Basilax a cessé de produire suffisamment pour extraire des minéraux. On a quoi comme autre choix? Dépenser de l'or pour soutenir la mine. Envoyer certains de vos ingénieurs pour qu'ils puissent affiner le pro. Perdez deux ingénieurs. Non, mais on va envoyer de l'argent. Ah, mais ça va!
Ouais, c'est honnête. Je suis pas sûr que niveau configuration, ça passe par contre. Non, je parle pas de l'OS, je parle de la config tout court. J'ai pas de vrai problème avec Windows 11 pour le coup de Giano. Je préférais Windows 10. Mais ça va, c'est pas une calamité. Pour, bah, ce le problème c'est plutôt c'est des vieux jeux et puis c'est tout quoi. Mais déjà si j'achetais mes vieux jeux sur GOG, ça marcherait mieux. On a eu quoi comme problème? Il y a Fear où on a eu quelques soucis. Il y en a eu d'autres? Wouhou! Ça recherche. J'ai pas fait gaffe, on a perdu du monde, tiens. Ah ben Ariel a été banni. Hop là. Oui, qui c'est qu'on a. Ah punaise, on a encore perdu un prêtre. Oh. Bon, Tigo. T'as que 6 vies pour finir le jeu, ça va, y'a que 4 mondes. Facile. Je veux une fonction auto-exploration. Moi, je peux dire easy car j'ai vraiment fini le jeu. Ouais, mais alors, tu vois, bizarrement, je prendrai pas ton standard comme un standard universel. Je sais pas ce qui me fait dire ça. Les bateaux, on s'en servira pas ici. Voilà, on ne fait qu'un. Toi, tu peux aller checker ici. Il n'y a rien du tout. Et ici, on est OK. Ariel a été vaincu. Allez, 2-2.
Non mince. Celui-là, c'est le seul qu'on possède. Hop, on rapatrie tout le monde dans les souterrains. Oh, intéressant. Voilà, merci Necro d'illustrer parfaitement mes propos. Vous avez banni votre maître ennemi. Je vais maintenant saccager sa tour vide avant qu'elle ne disparaisse. Très gagné, conjurateur. Réduit de 25% le temps de recherche et le coût d'ensorcellement de tous les sorts d'invocation. Réduit également de 25% le coût d'entretien des créatures fantastiques. Ouh, j'aime bien ça. Et on a invoqué l'elfe archer. Alora. Oh, trop bien. Bon, on va pouvoir remettre notre cercle d'invoque en dessous. Est-ce que dans les heures mortes, t'as rechargé des parties? Il n'y a pas de sauvegarde. Ah super! Mon type de jeu préféré. Je sais pas comment on est censé gagner celle-là. Cherche Rick Dangerous, tu peux tester si tu veux. Y a un truc qui est. Alors j'ai une règle très simple dans les jeux vidéo, c'est que j'essaye de m'amuser. Ah puis c'est un plateforme en plus, Die and Retry. Non mais ça va. Je suis ok. amuse-toi bien, Hector. Hein. Bonne aventure. Bande de fous furieux. Comment s'appelait déjà cet ancien jeu où t'étais un chevalier et plus tu te faisais toucher, plus tu perdais de morceaux d'armure? Il est assez connu celui-là. Mais ouais, je sais plus du tout. Attends, 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 attends. Donc la route la plus rapide, c'est la route qui passe au sud. Bon, tu me diras, ça vous évite de passer par un volcan. Ok. Ok. Pourquoi pas? Des esprits gardiens et des licornes. Ah, on a perdu le. On a perdu Zaldron! Objet gagné, armure de plaque de protection et tradition de la terre.
Ok. J'ai connu Barbarian sur Amstrad CPC 464, donc voilà. J'ai qu'une vague notion de quoi tu parles, Nécro. Mais du coup, c'est 19, on peut pas le détruire. Concrètement, on peut attaquer quoi ici? Ok, c'est la limite de la map. Très bien. Vous allez là et vous faites vos petits votre petite route. Ici, on va remonter. L'Amstrad CPC, c'est 84. Je pensais que c'était beaucoup plus proche de la sortie de l'Amstrad en 68. Pourquoi CPC? Vous voulez un bon point sur ce jeu? Généralement dans les 4X ou les jeux de gestion comme ça, au bout d'un certain nombre de tours, le jeu devient lent. C'est parce qu'il y a beaucoup de trucs à calculer. Là, ça va. Ça reste rapide. Bon, il n'y a pas grand-chose à calculer. Pour Color Personal Computer, merci beaucoup. J'ai l'impression de faire que des routes. Trop de souvenirs, Amstrad. Ah, t'es de cette génération-là aussi. T'as qui le moine de guerre? Ce grand héros souhaiterait vous rejoindre en échange de 131. Super agilité. Il est relativement intéressant. Des mastodontes. Oh, c'est un stégosaure, c'est ça? Non. Comment s'appellent déjà les dinosaures qui ressemblent à ça? Premier jeu lancé. Enfin, 20 minutes au moins. Ah, c'était le bon temps. Coûte 15 de mana de l'entretenir.
Sort a pris ours de guerre. Yes. Bon, par contre, il n'y a plus rien sur cette petite île. Et ici, il y a quoi? De 130 de mana, ouais. mes bateaux. Hop. Mais oui. Ils trouveront bien moyen de rentrer à la maison, pas de soucis. Hop là. C'est comme la série, la nouvelle série sur Netflix 1864 ou quelque chose comme ça. Coup les bateaux. Hop là. Énergie mystique engloutisse la lune. Je me souviens plus, j'ai lancé le chargement, j'allais voir le club d'eau et jouer après. Oh la vache. Encore 118 tours, on y est presque. Salut Maz! Pardon, je t'avais pas vu. Tu vas bien? Veux retourner dans le passé entre deux boules de feu? Ouais, c'est trop ça. Je vais bien plus tard en même temps, j'ai récupéré le PC de mon daron. Oh Giano, je suis désolé, Maz. Hop, ici on est bon. Ici on va se préparer tranquillement. Voilà. L'armée est complète. Je sors d'une raclette. Oh. T'en as de la chance. J'ai la. Oh, hello there. Bonjour, Comquette. J'ai la vague idée que c'est toi. Kum Katum, bienvenue dans la communauté. Je viens de capter que je ne te suis même pas, mais c'est pas grave, c'est pas. C'est ok. Mais si, mais non. En théorie, pendant le chargement, tu avais un pixel qui ne correspondait pas à l'image du jeu, t'as recommencé à zéro. Ah, c'était sympa les consoles à l'époque. Mais ouais, le coup de la raclette, Maz, je vais devoir passer quelques temps dans ma belle famille. J'ai demandé ça pour le petit-déj. On verra si, si j'aurai ça ou des croissants. Un arc en flamme. On a un archer? On a un archer, oui. Hop, acheté. Alors, avec une petite armure et puis un anneau, on n'a que celui-là. C'est déjà pas mal. Un petit reblochon de matin, rien de mieux. Ben oui, c'est ça. Et puis en petit déjeuner, tu prends une pizza. C'était mes meilleures années, ça. Les, les dimanches matins, après la semaine d'heures sup. T'as le reste de pizza et de bière qui traîne sur ta petite table, tu sais. Allez hop, glouc glouc. Rigole, mais je petit déjà avec ça. Mais oui, non, mais voilà, c'est. C'est la réalité du petit peuple.
On a pris marche sur l'eau. Eh. Ça, c'est cool. On a peut-être trouvé la solution à notre problème aquatique. Tu vois, Giano, il n'y a pas besoin de bateau. On peut avoir des nains tellement obtus qu'ils vont marcher sur l'eau. Ah merde, j'ai oublié de m'occuper d'eux. Ouh, ça c'est pas bon. C'est très nain, oui. Du coup, ça va comme quoi? De ton côté, tout va bien? Alors, on a des éclaireurs, cavaliers loups, ou alors on a deux troupes de trolls. Pas pour les trolls, hein. Bon, et du coup, on a... Comment elle s'appelle? C'est qui déjà? C'est Obéric. Obéric qui vient s'installer chez moi. Je viens de kidnapper ta moitié pour du Dark Tide. Oui, j'entends ça. On en fera... Qu'est-ce que je dis? Jeudi soir. On en fera jeudi soir si tu veux... Si tu veux te joindre à nous. Même si moi je suis un peu à la traîne et que je regarde plus le décor qu'autre chose. On sera en famille. C'est pas grave. C'est la période de l'Exode. Ouais, je sais. Ils vont plutôt marcher sous l'eau comme des sous-marins. Non, non, sur l'eau. On reste au sec. Qu'est-ce qu'on enlève? On va enlever un grand scarabée. Voilà, comme ça on a trois héros dans cette armée. Trois héros, un spectre, un prêtre elfe noir. On est nettement moins efficace à distance qu'on ne l'a été, mais c'est pas grave. Et on va tenter de prendre. Déjà, on va commencer par éliminer ça. Sous l'eau avec des bateaux pour respirer, Big Brain. Mais non, justement, on marche sur l'eau. Après, ouais, des sous-marins nains, ce serait pas mal. Pour terroriser le commerce elfique. Ce qui est pas si loin de d'une vision d'un certain auteur de fantastique. Au fond, un tunnel sous la mer. Ah, mais c'est pas original ça. Je crois qu'il y a des humains qui l'ont fait. Albardier. Mais. Alors, marché producteur, guilde des sages, guilde des combattants. Fais péter la guilde. Ça, c'est bien aussi. Esprit magique, lancer le sort, voilà. Et où du coup il est tout en bas, c'est ça? Oui, à Forgeau. Tu vois, c'est quand même un peu con parce qu'on a fait des routes partout. Mais lui, il est tellement obtus. Non, je prendrai pas les routes. Le truc de piéton là, c'est pas pour moi. Moi, je volerai au-dessus du paysage. Ça me prendra 15 fois plus de temps, mais c'est pas grave. Les élémentaires. Yeah! On a perdu les canons. On perd toujours les canons. Objet gagné, bouclier de protection. Ouais, 200 PO, 64 de mana. On a appris le sort araignée géante. Ah, parfait, j'adore, merci beaucoup. Et on va continuer. Continuer à explorer.
Oh. Dans les parties les plus profondes du donjon, vous trouvez des trésors cachés. Appel des crevasses. Sur votre ordre magique, le sort déchire la terre. Toute créature corporelle non volante se trouvant au-dessus de la crevasse nouvellement créée a 25% de chance de mourir. Seulement? Les murs de pierre qui traversent la crevasse sont détruits. C'est sympathique. Tu veux voler finalement? Non, je parlais d'une autre unité, Acta. Ah, alors. Les bêtes fantômes. C'est pas très gentil, ça.